La population canadienne est en pleine croissance. On compte maintenant 40,1 millions de personnes vivant au pays, soit 3 % de plus que l'année précédente, dont 2,2 millions de résidents non permanents. Un chiffre qui a augmenté de 46 % en un an. Et 470 000 de ces résidents non permanents sont établis au Québec. C'est important que le gouvernement canadien révise ses objectifs d'immigration annuelle pour les prochaines années. Ce sont 500 000 de personnes, là, voire plus, qu'il compte accueillir au cours des prochaines années, considérant le nombre de personnes qu'il y a déjà au pays, au Canada. Moi, je trouve que ça mérite une réflexion puis une prise de conscience. Ces résidents non permanents sont souvent des étudiants internationaux, des travailleurs étrangers temporaires et des demandeurs d'asile. Pour Québec, c'est beaucoup de pression sur les services publics déjà à bout de souffle. Ce sont les villes, ce sont les provinces qui accueillent, qui accompagnent ces personnes. Et il faut que le gouvernement canadien tienne ça en considération. Cette hausse de 46 % s'explique entre autres par la venue de 175 000 Ukrainiens qui ont fui la guerre, mais aussi par l'allègement des procédures administratives pour faire venir plus facilement des travailleurs étrangers pour contrer la pénurie de main-d'œuvre. Ottawa répond que la pression est un mal nécessaire pour répondre aux besoins. Avec la courbe démographique qu'on voit, si on veut avoir des services en santé de qualité, tous les services dont les gens s'attendent, il faut qu'on planifie en conséquence, puis ça passe par l'immigration. Pour les organismes communautaires, ces chiffres sont inquiétants. Être un travailleur temporaire, c'est, on est la vie est un peu en suspens, hein. On est dépendant d'un permis de travail. Ces chiffres n'incluent pas les sans-papiers. On parle potentiellement de centaines de milliers de personnes qui ne sont pas comptabilisées. Des personnes qui, par exemple, ont perdu leur permis de travail, mais qui ont décidé de rester en sol canadien dans les dernières années. Ici Élisa Serret, Radio-Canada, Montréal.